nous sommes le membre des différents parlements du monde. Nous sommes venus pour participer au deuxième sommet mondial sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Vous êtes sans ignorer que la question dans l'actualité, c'est aussi l'alimentation et la nutrition saine au sein de la population du monde. Voilà, nous sommes très contents pour cette occasion. Nous avons échangé largement et j'espère qu'avec cette allure, dans les jours à venir, le monde pourra trouver la solution en matière de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je voudrais précisément parler du cas de mon pays qui est la République démocratique du Congo. C'est un pays très vaste, immense, avec toutes les potentialités possibles en dehors des minerais. Nous avons ce qu'on appelle la vocation agro-pastorale. Mais c'est un pays qui souffre, dont une grande partie de sa population souffre de la malnutrition et de la sécurité et de l'alimentation. Mais nous trouvons ça injuste parce que nous pouvons tout faire pour que nous puissions nourrir notre population. Et nous sommes convaincus que dans de tels débats, nous aurons la possibilité de pouvoir offrir une bonne alimentation à notre population de la RDC. Voilà.